face à l'unilatéralisme qui ronge dangereusement les fondations du bel édifice que tant de générations se sont employées à bâtir depuis 1945. La République du Congo, par ma voix, réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme, gage de justice dans les relations internationales, d'équilibre, d'équité, de paix et de coopération pour un développement partagé. Le multilatéralisme, nous le savons tous, ne peut prospérer que dans un système global juste et équitable, un système qui soit à l'image non plus des fantasmes du passé, mais des évolutions et des réalités de notre temps. D'où l'impérieuse nécessité de réformer son outil de référence qu'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'assurer une représentation plus juste de tous les continents et de tous les peuples du monde. Sur ce chantier, l'Afrique a une position commune, une position conciliante et consensuelle, scellée à Eswatini, que mon pays n'a jamais cessé de défendre, et ce, depuis plus d'une décennie. Je réitère ici et maintenant l'exigence africaine, légitime à tous égards, de voir deux de ces États siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membres permanents avec droit de veto.